D'accord, merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Sortir. Entendez-vous, amen. Et priez Dieu
si me parle, il vous parle à travers de moi. Parce que le prédicateur, en réalité, il n'est qu'un vase. Un canal par lequel Dieu vous parle. Et Dieu ne répond qu'à vos prières. Alors c'est vous qui devez être en travail afin que Dieu puisse m'utiliser pour vous parler. Moi j'essaie de faire ce que je pouvais, c'est de prier afin que Dieu puisse rentrer en scène. Alors vous simplifiez-moi la tâche. Amen. Parce que si vous ne collaborez pas, parce que vous savez, bon, je ne sais pas, peut-être parce que, comme j'ai toujours dit, je n'ai pas toutes mes langues complètes. As I always say, I have all my teeth. Mais j'ai remarqué une chose. I noticed a thing. Le prophète dit, quand vous commencez, vous êtes un homme. Et après, vous passez à la seconde vitesse. And after you go to the second vitesse. Et quand vous passez à la seconde vitesse, ce n'est plus l'homme. Et là, c'est Dieu qui prend le contrôle. Et souvent, vous ne vous contrôlez plus. Nous allons très vite. Je me souviens une fois, je prêchais de l'autre côté là-bas. I remember a time I was preaching for the other side. Et le frère Yann que vous connaissez interprétait pour moi. And the brother Yann, you all know, was interpreting. Et un moment pendant qu'on avançait, at the time we were moving on, notre Dieu est descendu. Our God came down. Alors je ne me contrôlais plus. Then I could not control myself. Et le frère Yann ne savait plus comment me suivre. And the brother didn't know how to follow. Alors pendant que je prêchais, the one was preaching. Il s'est approché de moi. He came close to me. Il me tirait comme ça. Et moi je le touchais, je me demandais qu'est-ce qui ne va pas, et je continuais de plus belle. And I on more. Et lui aussi il n'a pas pu m'arrêter, et nous sommes allés jusqu'à la fin comme ça. And to the very ce n'est qu'à la maison qui me dit, mais attends, je te touchais parce que tu allais très vite. J'ai dit, il fallait parler parce que là c'était compliqué. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Ok, levons-nous, nous allons lire la parole. Let's stand for the reading of the word. Vous savez, prêcher, c'est pas facile, hein? You know, preaching is not an easy thing. Vous pouvez le constater quand le prédicateur passe ici. You can notice each time the preacher comes around. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Let's take our Bible into the book of John. Nous allons au chapitre 1. We're going on to the very first chapter. Le tout premier chapitre. The very first chapter. Nous allons lire les deux premiers versets, ensuite nous passerons au 14e. We're going to read the two first and go to the 14. Vous y êtes? Are you there? Nous lisons. We read. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Elle était au commencement avec Dieu. It was in the beginning with God. Et la parole a été faite chair. And the word be made flesh. Et elle habitait parmi nous. And he dwelt within us. Plein de grâce. Full of grace. Et de vérité. And truth. Et nous avons contemplé sa gloire. And we look unto his glory. Une gloire comme la gloire du Fils unique. The glory as the Lord and Son. Venu du Père. Come from the Father. Tendre Père d'amour. Only Father of love. Nous voici encore ce matin à ton service, Père. Here this morning unto yourself, Father. Nous avons besoin de la révélation de l'inspiration, Seigneur. We need the revelation of the atonement, Lord. Afin que tes enfants qui sont venus nombreux, Seigneur, ce matin. So that children came numerous this morning. Qui ont dépensé leur argent pour payer le taxi, Seigneur. Or spend the money for the car, Lord. Qui ont pris de leur temps pour venir dans ta maison, Père. Who took from their time to come into your home. Ne puisse pas repartir tels qu'ils sont venus, Lord, Seigneur. Let them come the way they came in. Will you circumcise mes lèvres, Père? And you circumcise my lips. Et circumcise les oreilles, Seigneur. And circumcise their ears. Afin qu'ensemble nous soyons élevés dans le lieu céleste en Christ. Get our God in the high place. Où le Saint-Esprit peut mettre quelque chose dans nos cœurs, Seigneur. But the Holy Ghost can put something in our heart. Et que cela puisse demeurer éternel en nous, Seigneur. And may stay for lasting love. Parce que ta parole est éternelle, Père. Because thy word is for lasting love. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. The Bible said the heaven and earth will pass. Mais ta parole ne passera jamais. Et tu nous appelais à être la parole faite chair. C'est pourquoi ce matin je te prie, Seigneur Jésus. Viens nous en aide, Père. Viens parler à ton peuple. Et mets-moi de côté, Seigneur Jésus. Merci encore une fois. Thank you once more. Pour l'occasion que je me tenir de la chair au Dieu très saint de mon Père. Bénis-le, Seigneur Jésus. Bless him, Lord Jesus. Accorde-lui davantage ton soutien. Plenty more support. Bénis
Jésus d'avoir été engendré par un tel homme, Père. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te donnons la première place. Et nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous, Seigneur. Car nous savons la hauteur où toi sont remis à ton nom. Tu as promis d'être là, Seigneur. Et tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais. Nous comptons sur toi, Père. Et bénir chacun de tes enfants. Leur donner le désir de leur cœur. Seigneur, nous te remercions. Et ce que tu as voulu, Seigneur, que nous puissions écouter la parole aujourd'hui. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois les acclamations. Reçois les élevés à jamais. Oh Dieu, même si tu ne nous dis rien ce matin, je vois te cacher dans le cœur, Père. Et que lorsque nous partirons, Seigneur, chez nous, que la joie puisse nous accompagner. Et que ta parole puisse nous défendre, Père. En toute en Dieu, Seigneur. En toute occasion. Comme le piège de l'ennemi. Car tu es notre force, Père. Viens ce matin, Seigneur. Pendant que nous nous recommandons à toi. Bénis encore une fois cette réunion. Pendant que nous nous recommandons à toi. Le seul vrai Dieu. Le Seigneur Jésus Christ. À toi nous disons. Amen. Amen. Une acclamation pour le roi des rois. Amen. Amen. Ok. All right. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur la pensée de Christ. I chose on talking about Christ's fall. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons sur la pensée de Christ. Amen. We talk about Christ's fall. Amen. Ok, Christ a une pensée. Christ have a thought. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, je crois, verset 5. Bible tells in Ephesians 2, I believe verse 5. Et on voulait penser les sentiments qui étaient en Christ. How we be in the thought and the feeling were in Christ. Et n'oubliez pas que le sentiment, c'est un sens de l'esprit. Do not forget the feeling of a sense of the spirit. Et donc la pensée appartient à l'esprit. So the thought belongs to the spirit. Et ici, nous venons de lire. And we just read. Qu'au commencement. And to the beginning. Était la parole. Was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et Branham nous dit. And Branham tells us. Dans la brochure, la parole faite chair. And to the book, let the word be true. Mais au commencement. And to the beginning. C'est le loin qu'on puisse y aller. C'est plus loin que la pensée humaine peut aller. It's further than the human c'est plus loin from que la théologie peut aller. Further than theology can. Parce qu'au commencement. Goes into the beginning. C'est avant la création. It's before the creation. C'est avant que le ciel ne soit. It's before the heavens. C'est avant qu'il y ait la lune. Before the moon. C'est avant qu'il y ait les étoiles. Before the stars. C'est avant même que l'homme ne vienne à l'existence. Before even a man come into existence. Amen. Amen. Vous me suivez? Are you following? Ok. Au commencement, into the beginning, était la parole. Was the word. Et cette parole, and that word, était avec Dieu. Was with God. Et cette parole, and that word, était Dieu. Was God. Et cette parole, and that word, a été faite chair. Amen.
passage, je veux dire. Laissez moi terminer. Repartons dans la Genèse. Let's go back to the Genesis. La Bible nous dit. The Bible tells us. Que Dieu. That's God. La parole. The Word. Dit que faisons l'homme à notre image. So let's have the man to my image. Amen. Amen. Et l'homme a été fait à l'image de Dieu. The man redone unto the likeness. À sa ressemblance. Of his likeness. Et cet homme, vous le savez, c'était Adam. Je suis moi le fils de l'homme, le son de Dieu.
Christ, it's the fourth one. Se fait la chair en toi. God be flesh in you. Amen. Amen. Adam vient. Heaven comes. Je lui donne la chose. God give him the thing. Il se comporte comme un chef. He's a believer like a god. Il gouverne la terre. He rules the earth. Il fait tout ce qu'il pourrait faire. Doing everything he could do. Adam est un patron. Heaven is a boss. Quand l'Esprit de Dieu en toi. When the Spirit of God is in you. Tu es le chef. You are the boss. Tu es le chef, frère. You are the boss, brother. Rien ne peut te résister. Il avait l'autorité complète. He had the complete authority. Suprême sur
la terre. And supreme on the earth. En d'autres termes, in other words, Adam avait de supérieur que Dieu. And they have superior to God. Excepté Dieu, except God, Adam était le chef. And it was the chief. C'est ce que Dieu veut que tu sois. That's what God wants you to be. C'est pas pour rien il a dit. It's not something to say. Parmi ses desseins, and more what he desired, il voulait se révéler à l'homme. He wanted to reveal to the man. Devenir un homme. Become a man. Que la plénitude, la divinité. And the fullness of the man. Soit un homme. Be revealed to the man. Ensuite de prendre cette plénitude. And then that fullness. La déverser dans un peuple. And more reveal to the people. Afin que Dieu lui-même. So God himself. Puisse avoir la prééminence en toi. They have the preeminence for you. Il puisse te conduire. He may lead you. Il puisse être ton Seigneur. God has to give it to you. Même faire quoi que ce soit, il faut que Dieu donne un accord. God has to give you parce approval. Que tu ne dépends pas de toi. Parce que son esprit en toi, qui fait de toi ce que lui le veut. Amen. Amen. Mais c'est ce que nous devons désirer, frère. Parce que la victoire dans le camp dépend de ta communion avec Christ. God for était en lui. What revealing? Le pasteur nous a toujours dit. The pastor tells us.
Que Dieu s'est reposé le septième jour. D'accord, oui, c'est le septième. En réalité, il ne s'est pas reposé. Parce qu'il était caché en dedans. Et toi, c'est pas Adam qui donnait le nom. We cast.
Je reviens un peu. And I come on later. Lors de la veille du 31 au 1er, le pasteur nous a parlé, nous a prêché sur le Dieu qui est riche en miséricorde. The pastor preached upon the God rich in mercy. Là-bas, il nous a dit, and he told us, la prédestination, the first call, est quelque chose de grand pour Dieu. But something great for God. Et c'est ça qui détermine la position de tout un chacun. And this determines the position of everyone. Amen. Amen. La Bible dit, the Bible says, Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné son fils unique. He gave his only son. Amen. Amen. Afin que, so, là il conditionne. And he conditions. Que quiconque, whoever, croit en lui, believe in him, ait la vie éternelle. Have the everlasting life. Amen. Amen. Ça veut dire que la vie éternelle, means c'est life. Pas pour celui qui veut. Means to pour all la vie éternelle, life. C'est pour une catégorie de personnes. It's for the category of people. La vie éternelle. C'est de l'amour. That's love. Mais ici, but here, Dieu nous dit, ce n'est pas ça l'amour. That's not love. Pourquoi? Why? Parce que les gens qui n'ont pas reconnu le jour de son message, because voient la même chose. The same day. Mais Dieu, God, il a dit qu'au temps de la fin, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La charité, c'est quoi? What is love? C'est Dieu. It's God. What is love? C'est Dieu. It's God. Amen. Amen. Et là-bas on dit said, que la charité ne soupçonne pas. Now,
pensée. On ne peut pas ce que tu fais. Si tu n'es pas prédestiné, c'est zéro. Amen. La charité, c'est Dieu. La charité, c'est la sémence. Si tu n'es pas la sémence, même si tu donnes le temps jour après jour, Dieu, ça ne compte pas.
connaissez à moi. Pour me connaître. How to know. Que moi aussi. That I also. Je peux faire les choses que Dieu a fait. I can do things that God has done. Amen. On vous a toujours dit. Always say. La preuve. The proof. Que vous avez le Saint-Esprit. That you have the Holy Spirit. Et lorsque vous avez. It's when you have. La compréhension. The understanding. Clair. Clear. Et nette. And deep. Les Écritures. All the Scriptures. Mais Branham a dit. But Branham said. Dans la brochure. Into the book. La demeure future de l'épouse. The future hope of the bride. He said. Mais qu'est-ce qui prouve? What proving? Que tu as. That you. Tu as la compréhension. You have the understanding. Claire et nette des Écritures. Clear and deep of the Scriptures. Ce n'est pas les citations. It's not the quotes. Ce n'est pas l'évangile. Mais il dit, but you say, la preuve, the proof, que tu as la compréhension, claire et nette, des Écritures, que voici yes, le Seigneur the son, qui accompagneront ceux qui auront cru. Adam a péché. Eden sin. Amen. Adam a péché. Eden sin. Quand Adam a péché, when Eden sin, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme, have you listened to the thinking of his wife, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, instead of studying by the word of God, voilà ce qui a fait pécher Adam. You know what made Eden commit? Sa femme a raisonné. His wife too. Avec Satan. With Satan. Sa femme a raisonné. His wife too. Avec la parole. With the word. Voilà pourquoi. Vous devez avoir you must have en vous within you les pensées the qui étaient en Christ. Who was in Christ. Si ces pensées sont en vous, if the fault are within Christ you, va vous vivifier. Et quand Christ va vous vivifier, God, Satan ne peut pas te tromper. Tu auras le discernement. You have the discernment. Même quand il s'approche de toi, to you, Dieu te montrera que ça c'est l'ennemi. Quand il ouvrira la bouche pour parler, grâce de William Branham. C'est lui will, qui sera jugé en premier. We're gonna be judged. N'oubliez pas. Do not forget. Il n'y a pas seulement que nous. Not only us. Même ceux qui sont de l'autre côté. Even those on the other c'est bien ici ce qu'il a prêché. Upon ils ont dit. They say, si tu n'étais pas venu. If you haven't come, nous ne serons pas ici. We will not be here. Amen. Amen. Parce que. Because ils avaient compris. They understood. Que Branham leur a donné le vrai. Branham n'a pas fait de compromis avec la parole. Branham avait pas compromis with the word. Branham a vendu tout ce qu'il avait. Branham sold everything he had. Il a vendu tout ce qu'il avait. He sold all his good blood. Tout ce que le monde pouvait lui donner. Everything the world could give him. Et il s'est donné à Christ. And he gave himself unto Christ. Et Christ est aimé de tel engagement. Christ loves such commitment. Christ aime les gens qui s'abandonnent. Christ loves people who abandon. Faut prendre une décision. You must take a decision. La décision n'est pas collective. The decision is not collective. La décision est personnelle. The decision is personal. Et la décision est une révélation. The decision is a revelation. Ruth était avec Naomi. It was with Naomi. Et Orpah. And Orpah. Pendant que Naomi, when Naomi était en train de lui donner les mauvaises paroles, was giving them bad words. Espèce de prostituée. Was such thing. Espèce de ceci. Pourquoi vous me suivez? Why are you following me? Moi je n'ai plus d'enfant. I have no child. Mes enfants sont morts à cause I de vous. Alors repartez chez vos parents. Then go back to your parents. Orpah. Orpah. Comme elle n'était pas encore morte.
Mamie n'avait pas compris la décision. Elle avait un pied dedans, un pied dehors. Elle pensait encore aux boîtes de nuit. Amen. Elle pense encore au modèle. Elle pense encore à ceci. Elle a vite fait de repartir. Et Branham dit, on n'a plus jamais parlé d'elle. Amen. Mais Ruth, elle rentre en elle-même. Elle a regardé Naomi. Elle a dit que si elle là arrive à vivre tel que je vois là, c'est qu'elle a quelque chose que moi je n'en ai pas. Alors moi je vais chercher cette chose là. Qu'elle m'inscrive. Qu'elle dit ce qu'elle veut. Moi c'est la chose là. Et la Bible nous dit qu'elle a pris une décision. Elle a dit, je ne t'abandonnerai pas. I won't forgive you. Ton Dieu, oh God, sera mon Dieu. Qu'est-ce que tu attends de prendre une décision? Aren't you willing to take a decision? Ruth a dit, Ruth say, ton Dieu, your God, sera mon Dieu. Will I be mine? Toi aussi, you also. Cherche à ce que le Dieu de pasteur soit aussi ton Dieu. Be also your God. Là où tu mourrais, Naomi, where would I die? Moi aussi je mourrais. I also will die. Pasteur, si réellement tu es caché en Christ, amène-moi aussi dedans. Amen. Amen. Vous savez, you know, les prédications ne sont pas faites seulement pour être données. Quand nous prêchons, when we preach, c'est une pensée qui se dégage. It's a thought, et cette pensée-là va devenir ta propriété. Au point quand tu sors d'ici, to the point when you come out of here, tu vas te souvenir. You're gonna remember. Même après une semaine. Even after a week. Mais ce jour-là, at this day, Dieu m'avait dit ceci. Your change will be fine. Amen. Yeah. Alors Adam, then Eden, a péché. He sinned. Il a suivi sa femme. He followed his wife. Quand il a suivi sa femme, when he followed his wife, Dieu est descendu. God came down. Et d'ailleurs, and then, il a enlevé, he removed, l'image sainte, the holy image. En d'autres termes, in other words, la communion, the fellowship, que Adam avait, that Adam, avec Christ, with Christ, est coupé, in cut. Amen. Amen. On nous a lu ici, je crois, 1 Chronique 15. The Chronique 15. À partir du verset 2 ou 3. From the verse 2 or 3. Si tu es avec Dieu, if you are with Dieu God, sera avec toi. God gonna be with you. Si tu abandonnes Dieu, if you abandon God, Dieu va t'abandonner. God gonna abandon you. Adam abandonné Dieu. Adam abandon God. Dieu l'a lâché. God, Dieu l'a chassé. God cast him away. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu l'a chassé, God cast him away. Dieu a pris les précautions. God put all his people. Parce que dans il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. And the tree of love. Alors Dieu a chassé Adam et Ève. Et il a bien demandé aux chérubins de se mettre à l'entrée. And he asked the cherubim to stop. De peur que Adam ne reparte en mangeant de cet arbre-là. Et qu'il vive éternellement. And he lives forever. Alors ça allait empêcher Dieu. Son premier dessein, devenir un homme, devenir un parent rédempteur, a kinsman redeemer, car il n'y avait personne qui pouvait racheter l'homme. Only one that born from the qui avait été créé, he had been created, c'était Adam. He was Eden.
devenu Emmanuel. He has become Emmanuel. Il a marché au milieu de nous. He walked in the midst of us. Parce qu'il était vrai. Because he had to. Aller mourir à la croix. Go to die to the cross. Pour payer le prix. To pay the price. Le rachat ne devait pas se faire à ce moment-là. The redeemer of that happened to the Son. Parce que. Because. Et là, il fallait que les choses soient révélées. Things have to be revealed. Et Branham nous dit. What the Bible tells. Ne fais jamais rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et quand Dieu est venu, il a fait chair. Il est allé à la croix. Il est mort. Enterré. Ressuscité. Il est allé au ciel. La Bible dit qu'il a laissé le corps au ciel. Et il est revenu sur la terre. Et c'était le début des âges. Il y a eu le premier âge. Avec un prophète. With a prophet. Dénommé Paul. Named Paul. Mais Paul, but Paul n'avait pas toute la révélation. He have all the revelation. Lui-même il a dit. Himself he said. Quand le parfait viendra. When the perfect. En tant que thème, il le savait. He knew the world he knew. Qu'il n'était pas parfait. That he was not perfect. Et l'enlèvement ne pouvait pas se faire. And that he was not. Parce que lui, son message ne pouvait pas mener les choses à la perfection. After the reformateur, nous avons une promesse dans Malachi 4 qui dit, je vous enverrai Élie le prophète. En d'autres termes, au temps de la fin, nous aurons un prophète. Pas n'importe quel prophète, mais un prophète que Dieu va habiller. C'est dans Apocalypse 10. Revelation 10. Amen. Amen. Donc vous voyez, so you see, que quand Adam a péché, Adam, l'image sainte, the holy angel, lui a quitté. Left him. Satan, Satan, il voulait s'en approprier. He wanted to take control of. Parce que Satan savait, because Satan knew, que s'il prenait cette chose-là, as he took that thing, il était le maître absolu. He was the absolute master. Il était celui qui devait régner. He was the one who had to rule. Mais Satan, but Satan est toujours en retard. It's always there. Parce que la Bible nous dit, because the Bible tells us, before the beginning, Dieu avait en pensé toutes ces choses. All the things. Satan ne sait pas. Satan il est au service de Dieu. In the service of God. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Le holy image left. Set him on a holy. C'est parti. Et il lève. Il sort. And jumps. Dieu dit. God blew off. Il sort. He jumps. Dieu dit. God grabs off. Et la chose est repartie. And the face went back. Aux mains du propriétaire original. To the hand of the original owner. Et cette chose là. And God finished. C'est ce qu'Adam avait perdu. That's what Adam lost. Cette chose là. God finished. C'est ce que nous n'avons pas eu le privilège de connaître comme Adam. That we haven't had the privilege to know. Quand Adam a perdu, il est rentré dans l'amnésie. We enter into et nous, quand nous sommes venus au monde, la Bible dit que nous avons contourné notre théophanie. C'est cette chose-là que nous avons contourné parce que Dieu l'a gardé au ciel. Amen. Mais cette chose-là n'était pas une propriété de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Et lui-même, il est venu s'associer à ce prophète afin de nous ramener la chose. Amen. Cette chose, elle n'est pas matérielle. Amen. Amen.
Dans Jean 5. In John 5. Dans l'Apocalypse 5 plutôt. Revelation 5. Il est dit. It is said. Qui est digne. Who's worthy. D'ouvrir le livre. To open the book. Et rompre le sceau. And break the seal. En d'autres termes. In other words. Qui est capable de prendre cette chose-là. Who's able to take that thing. Et de le ramener sur la terre. And bring it on the earth. Afin que mon deuxième dessein. So my second will s'accompli. Maybe if you finish. La divinité. The deity. Dans les hommes. Joker, c'est la commission, c'est la commission, ça ne date pas.
Connaît que quelque chose est entré.
aujourd'hui, ils ont chaud avec toi. C'est lui qui osera vous toucher. Il touchera 6600 fois. Parce que la divinité est en vous. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent rien. Ils sont dans le message. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que le message. I don't know what is the message. Le message, c'est le retour au commencement. The message is a return to the beginning. Le retour. The return. Le commencement est créé. The beginning was. Et Jésus est l'alpha. Jesus was the alpha. Il est. Si au commencement était la parole, if from the beginning was the word, que les gens soient d'accord, and people be agree, pas d'accord, or not agree, à la fin, at the end, sera la parole, gonna be the word. Vous, you, vous, you, vous, you, vous, you. Alléluia. Amen. Allah, écoutez, messieurs, je vais. Je vous dis quelque chose. Lorsqu'une sœur se lève, prend la Bible pour prêcher, tous les frères vont sortir. Dites amen. Et lorsqu'une sœur manifeste Dieu, tous les frères acclament. Pourquoi? Dieu dans les sœurs. Prenez pour vous la parole. For you the word. Nous prêchons, nous lisons, nous prêchons en lisant ce qui a déjà été lu et prêché. So we preach by reading and reading what you already preached. Et le troisième pool. And the third pool. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. And I feel the eyes never seen. Que la bouche n'a jamais parlé. What the mouth never spoken. Dieu fera, a déjà fait des sœurs de Dieu. God already told us. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une femme devient Dieu. C'est la première fois dans l'histoire du monde que les gens deviennent de Dieu. Il y a eu un Dieu au commencement. Et je vous dis qu'à la fin, il sera plus lui seul. Pourquoi, pasteur? Why, pastor? Parce que la Bible dit, because the Bible said, il y a eu un antéchrist, they had an antichrist. Mais aujourd'hui, today, il y a plusieurs antéchrists. There are many antichrists. Il y a plusieurs antéchrists aujourd'hui. If there are many churches today, au commencement, il y a eu un Satan. In the beginning, they had a Satan. Il y a eu un antéchrist. They had one antichrist. Mais à la fin, but I believe, il y aura beaucoup de antéchrists. Et à la fin, il y aura beaucoup de Dieu. Écoutez le pasteur. Listen to the pastor. Parce qu'il y a beaucoup des antéchrists. Because there are many antichrists. Et il y a maintenant beaucoup de dieux. And there are now many gods. Donc chaque dieu va affronter chaque antéchrist. So each god going to challenge each antichrist. Chaque personne qui est devenue dieu va affronter un Satan ou un antéchrist dans la chair. C'est ça la plus grande bataille jamais. C'est pourquoi Dieu t'a fait Dieu. Parce que quelque part dans ta famille, il y a déjà quelqu'un qui est devenu antéchrist. Vous devez l'affronter. On ne recule pas. Il n'y a pas d'amen. Ah, si vous essayez là, ça ne donne pas. If you try, changez, mettez la caca. Toi, le Dieu de sept honneurs. Toi, le Dieu du septième saut. Toi, le Dieu du troisième pot. J'ai la révélation que tu es à moi. Maintenant, je ne parle pas, je ne prie pas comme un croyant. Je prie comme les bons hommes. Parle. Il y aura la
solution. The solution. Parle. Il y aura le miracle. Le miracle. Je termine. I'm finished. Alléluia. Vous savez? Non. Dieu, God, savait, knew, qu'Israël, that Israel, serait attaqué par les Assyriens. Gonna be attacked by the Assyrians. Ça me donne envie de crier. They gave me the need to cry. Les voix de Dieu sont incendiaires. The way of God cannot be shaken. Lorsque Israël est arrivé au point d'être détruit par Aman. When Israel came to be destroyed by Haman, Aman était un antéchrist. Haman was an antichrist. Il pensait être dans la position de force. He thought being in a position of strength. Oh, il y a quelque chose qui m'a toujours touché. Something always touched me. Mardoché dit à Esther. Mordecai said to Esther. Qui sait? Who knows? Alléluia. Qui sait? Who knows? Que c'est pendant ce temps ici that is during those time here, que Dieu t'a amené à la royauté. Esther est devenue reine dans le septième sceau. Esther has become a queen within the seventh sea. Personne ne connaissait sa nationalité. No one knew her citizenship. Elle a caché la nationalité. She had her citizenship. Pourquoi? Why? Dieu savait. God knew. Il y aura un affrontement. That a fight will come. C'est pourquoi Dieu a fait qu'Esther soit reine avant de révéler sa nationalité. That's why God made Esther queen before revealing her citizenship. Et aujourd'hui. And today. Pendant la confrontation. During the challenge. C'est là où Esther va parler. That's why Esther is going to talk. Tu peux dire amen. Who can say amen? Je vois le roi. I'll go and see the king. Même si ça fait longtemps que je le vis. Even if it's been a time that I saw him. Je crée le voir. I would like to see. Je passerai par la chambre basse. I'll go through the underground. Le mystère de la genou. The mystery of the kneeling now. Et ça va m'amener au trône. And it's gonna take me to the throne. Et je verrai le roi. And I will see the king. Même s'il fallait que je meure. Even if I have to die. Je préfère mourir. I prefer dying. As soon as she appeared into the throne, qu'est-ce que le roi dit? What the king say? Oh Esther, oh Esther, ma chérie, my honey, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Même si c'est la moitié de mon royaume, even if half of my kingdom, je vous le donne. I give it to you. Dieu a partagé sa divinité avec sa femme. God shared his deity with his wife. Notre prophète dit. That's what our prophet say. La divinité que vous avez en vous, la manière dont Dieu a partagé la divinité envers vous a été exprimée dans l'apparition de l'arc-en-ciel. The way God shared the deity with you has been expressed by the appearing of the rainbow. C'est la raison pour laquelle quand l'arc-en-ciel apparaît. The reason why when the rainbow appear. Ça apparaît seulement une partie. It appears only by half. Et l'autre partie on ne la voit pas. And the other half can be seen. La partie invisible de l'arc-en-ciel, c'est la divinité qui est cachée dans les boues. L'heure est arrivée. The time has come. Monsieur, est-ce l'heure? Sir, is this the hour? Yes, sir. Oui, monsieur. C'est l'heure. It's the hour. De faire quoi? To do what? Parle. Talk. Si vous ne connaissez pas le mystère de qui vous êtes, if you don't know the mystery of who you are, et que vous n'êtes pas devenu chrétien par une simple coïncidence, and you haven't become a Christian only by chance, vous n'êtes pas un chrétien au hasard, you are not a Christian by chance. Aujourd'hui, today, vous allez m'oublier vos erreurs. You're gonna forget your mistakes. Vous allez m'oublier vos manquements. You're gonna forget your failures. If God ne déparait jamais ses God was not great to mercy, il pouvait te condamner. He can condemn you. Vous savez la chose qui me donne la foi. Don't you know the faith giving me faith?
il a pris ma place. He took my pourquoi il a pris ma place? Why he took my place? C'est pour que moi je prenne sa place. And for me to take his. Pourquoi Dieu est devenu homme? Why God has become a man? Donnez-moi la réponse. Pourquoi Dieu est devenu homme? Give me the answer. C'est pour que l'homme devienne Dieu. Et lisez le prophète dit. And listen to the prophet says. C'est en ce jour. It's on to this day. Cette écriture. That scripture. Doit s'accomplir. Must be fulfilled. Je serai avec vous. I'm gonna be with you. Même en vous. Even within you. Jusqu'à l'enlèvement. Until the rapture. Il n'y a pas d'amen. Don't you say that. Là où je me repose. That's there where I rest. Oh. Connais. Brother Conde. Là vraiment il m'a touché. J'ai vu l'ancien avant, comment l'ancien Charles est rentré sous l'onction. Parce que là vous avez touché le chaud. Le septième chaud. Le septième chaud. Ramène Jésus sur la terre. Jésus on earth. En marchant comme ça. Not by walking only. Ramène la divinité sur la terre. Et brings down the deity upon the earth. Et cette divinité va se cacher en vous. And a deity gonna hide within you. Attendez. Wait for. Vous ne savez pas encore qui vous êtes. You don't know who you are yet. Je vous dis aujourd'hui dimanche. I'm telling you guys today, Sunday. Le jour où tu seras devant une difficulté que le pasteur n'est pas là, aucun frère, aucune sœur n'est pas là. The very day when I mean in front of the channel, the pastor, no brother, expérimenter ce qui est là. Yes, you're going to experience what is within you. C'est ce que le prophète appelle pousser à bout. That's what the prophet called pushed to very much. J'appelle le téléphone, le pasteur, ça ne passe pas. I hung the phone, the pastor doesn't go through. J'appelle le diacre, ça ne passe pas. I hung the deacon, doesn't go through. Mais je fais comment? What must I do? Je vais essayer. I'm gonna try. Ah! Dead. Power! Door! Power! Door! Vous savez Dieu. You have God! Power! Door! Frère! Brother! Votre vie. What change your life? Vous qui posez la question, est-ce que Dieu est en moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que j'ai Dieu? Question is God with me? Do I have God? Yes. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Do I have the Holy Spirit? Moi, je vous pose maintenant la question. Now I'm questioning. Qu'est-ce qui a changé ta vie? What change your life? Qu'est-ce qui a changé votre vie? What change your life? S'il n'y a pas un être surnaturel dedans là-bas. If there is no supernatural being in there. Comment votre vie peut subir un changement? How your life can have a change? S'il n'y a pas la vie à l'intérieur d'un arbre. If there is no love inside of a tree. Cet arbre-là ne produira pas de fruits. That tree won't produce fruits. Dès que vous voyez l'arbre commencer à devenir verte, as soon as you see the tree starting to turn green, c'est la preuve que la vie qui est à l'intérieur, it's a proof that the love inside commence à se manifester. Starting to manifest itself. What changed you? Lisez le prophète. Read the prophet. À la gauche, je suis dans l'école, je suis venu l'adorer. On peut le googler, that's why he's trying to come to worship me. Oh, on dit. But the brother said. Puissance qui peut changer une prostituée. What is that power who can change a prostitute? Si c'est pas Dieu. If it is not God. Alors qu'est-ce qui a changé la vie de quelqu'un? Then what changed someone's life? C'est Dieu. It's God. C'est Dieu qui vous a changé. It's God who changed you. Sinon vous ne serez plus ce que vous êtes. Otherwise, you won't be what you are. Même les choses que tu aimais. Even the things that you like before. Ça tombe du jour le jour, ça tombe. Falling down day after day. Je sais pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'êtes rien. I know why you think that you are nothing. C'est parce que vous voulez atteindre le niveau qu'Adam avait avant la chute. It's because you want to reach a level Adam had before the fall. Frère, madame, dit, il rit. Amen.
quand vous avez cette soif. Pour Dieu, for God, c'est une histoire terminée. It's a matter classified. Ce que vous êtes en train de vivre, voilà, c'est la rétrospection de votre vie qui est déjà achevée. What you've been living is the rétrospection of your daily life. Je sens bien. I feel good. Théophanie. Théophane. C'est la sémence. It's the seed. Amen. Vous n'avez pas ça. You don't have it. Vous ne croirez pas le message. You won't believe the message. Jamais. Never. Amen. Pourquoi Orpa est reparti? Why Orpa went back? Et que Ruth est restée. And Ruth stayed. Parce que Ruth avait la semence. Because Ruth had the seed. Je suis à diviser son église à cause des déclarations. Jesus divided his church because of statements. Tout le monde est parti. Everybody left. Pierre est resté. Yeah. Peter stayed. Jésus dit à Pierre. Jesus said to Peter. Mais les autres sont partis. Mais toi tu ne peux pas partir. The others have left. What about you? Pierre dit Seigneur, où irons-nous? Peter said, Lord, where will we go? C'est toi qui as les paroles de vie. You have the word of life. Pierre a fait la révélation de qui est Jésus. Peter had the revelation that who is Jesus? Et c'est cette révélation. And that's that revelation. Qui vous maintient dans le ministère de quelqu'un. Maintaining you within the ministry of someone. Auparavant, j'avais mal. Before, I used to have a heart. Parce qu'une brebis s'en va. When the sheep left. J'ai compris. I understood. Que je ne peux pas conduire la brebis qui n'était pas dans ma constellation. That I cannot lead the sheep who were not within my constellation before. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Jesus said, my sheep listen my voice. Là où nous sommes. That there we are. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre debout pour dire merci au Seigneur? Can we stand to say thank you to the Lord this morning? Alors que nous sommes arrivés à la fin de la journée. Oh, we have come to the end of the meeting. Mettez-vous debout. Let's stand. Levez vos mains pour montrer à Dieu, me voici. Raise up your hand to say unto God, say, here am I, Lord. Et dites-lui quelque chose. And say something to him. Priez. Let's pray. Pray the Lord. Yes, this year. And pray to God. Alleluia. Amen. So pray. Let's pray. Pray the same prayer. Let's pray the Lord.
Alors que tu avais, Seigneur, des desseins à accomplir, tu les accomplis en ce jour. Dieu nous a montré un exemple parfait. Comment la divinité peut entrer dans une personne? Comment la divinité peut amener quelqu'un à se soumettre à la parole? Comment la divinité peut amener un homme à manifester la parole? Comment la divinité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut amener un homme à être comme toi? Oh Dieu, nous croyons que si tu as commencé avec la gerbe première, et tu l'as agité, je crois, Seigneur, tu le feras aussi pour nous. Aide-nous, Seigneur, à parvenir à être ce que toi, Dieu, tu veux que nous soyons. Cette église du Père Évangile, je la remets entre tes mains. Je sais que ce sont des hommes, ils ont des hauts, ils ont des bas. Mais tu les as choisis pour ce jour. Tu les as choisis pour cette saison. Tu les as choisis pour cette heure. Et nous avons reconnu le jour et son message. Père bien-aimé, aide-nous, Seigneur, à renoncer à tout ce qui est contraire à la parole. Et nous voulons que la parole de Dieu que nous avons reçue puisse nous imposer la sainteté, puisse nous imposer la victoire, puisse nous imposer la soumission, puisse nous imposer la transformation, puisse nous imposer la foi, puisse nous imposer, Seigneur, l'image de Jésus-Christ, afin que nous soyons comme toi. Tes enfants sont en train de partir, je les confie et les consacre tous à toi, que tu marches avec eux durant toute cette journée, jusqu'à ce qu'ils arrivent au soir. Nous voulons prier, Père, pour nos futures réunions. Laisse que les anges de Dieu puissent prendre le contrôle de toute la parcelle. Prendre le contrôle de toute cette salle. Et nous t'invitons, toi-même la colonne de feu, à prendre le contrôle de toutes les réunions. Que chaque âme qui n'est pas sauvée, qui foulerait les pentes-pieds dans cette salle, puisse être sauvée. Qu'aucune maladie ne pourrait résister. Que les aveugles voient. Que les boiteux marchent. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Que les maladies disparaissent dans leur corps. Seigneur, fais que la foi divine puisse pénétrer nos âmes, afin de croire aux choses impossibles. Parce qu'il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Et ton prophète dit, rien n'est impossible à l'homme. Ainsi, cher Père, révèle-nous ce que nous sommes. Pour que Dieu Tout-Puissant, nous puissions entrer en possession de tout ce qui nous appartient. Tu ne nous as pas promis la maladie. Tu ne nous as pas promis les échecs. Tu ne nous as pas promis, Seigneur, les frustrations. Tu ne nous as pas promis, Père Tout-Puissant, que les gens domineraient sur nous. Tu ne nous as pas promis, Seigneur, la possession des esprits impurs. Tu ne nous as pas promis ces choses. Tu ne nous as pas promis la stérilité. Tu ne nous as pas promis, Père Tout-Puissant, le chômage. Tu ne nous as pas promis les échecs. Mais tu nous as promis, Père Tout-Puissant, au Dieu des succès, l'élévation, la joie, le bonheur, la paix, le Saint-Esprit. Et tu nous as promis les bonnes choses. Tu nous as promis le ciel. Tu nous as promis la résurrection. Tu nous as promis l'enlèvement. Tu nous as promis le changement. Tu nous as promis la nouvelle naissance. Tu nous as promis la divinité. Alors nous recevons tout ce que tu nous as promis. Que les ennemis puissent reculer au nom de Jésus-Christ. Qu'il lâche prise les promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Parce que, Seigneur, nous croyons fermement en cela. Dirigez les pas de tes enfants durant tous ces jours jusqu'à la fin de notre dédicace. Nous nous remettons à toi. Soutiens-nous et bénis tous nos frères et sœurs. À Odogwe, à Port-Gentil, patrouille à tes enfants qui croient à ce ministère que tu m'as donné. Sois une bénédiction pour eux.
Et je veux que chacun reçoive au sorti d'ici quelque chose. Père, si tu peux donner la solution à la chose que ta fille ou ton fils a tant prié, qu'aujourd'hui soit une opération-solution. Et que le Dieu que nous adorons ouvre les portes de la vie de chacun, afin qu'il puisse dire que Dieu nous a réellement parlé. Bénis le retour et bénis tous les projets de tes enfants. Bénis tous ceux qui ont soutenu tous ces moments. Père, tes enfants se sont sacrifiés depuis au moins des années, Seigneur, afin de soutenir l'œuvre. Oh Dieu, je t'en prie, Père, que tu leur récompenses au centuple. Partout où le sceau est sorti, que tu puisses lui rendre ça. Seigneur Dieu, puisse lui récompenser ce qu'ils ont donné pour la construction, comme tu as donné le salut dans la maison de la directe parce qu'elle a soutenu la construction du Branham Tabernacle. Faites-le pour tes enfants, ils seront dans la joie et le nom de Jésus-Christ sera loué. Merci, nous voulons garder cette parole dans nos cœurs et que l'ennemi ne puisse pas l'arracher. Alors envoie dans chacun l'atmosphère spirituelle qui va faire germer la semence parole que nous avons reçue dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ et que nous soyons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Béni sois-tu notre Dieu et bénis le prédicateur, son épouse et ses enfants, son enfant, que tu le bénisses. Je veux que Seigneur, tu puisses le combler au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Et que lui aussi passe des bons séjours au milieu de nous et qu'il ne manque de rien. Accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.